애니는 먹고 싶은 모양. 고마워요. Bonjour tout le monde, bienvenue à My Culture. Et je m'appelle Jenny, congolaise du Congo Kinshasa. Et aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons préparer de la nourriture coréenne. Bonjour, mes potes. 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘 할 요리는 닭갈비인데요. 닭갈비는 한국에서 자주 해먹는 치킨하고 다르게 또 음식으로 만들어서 많이 먹는데요. 춘천이라는 곳이 있는데 거기가 유명합니다. 그래서 오늘은 닭갈비를 하겠습니다. Alors aujourd'hui nous allons préparer avec vous la nourriture qu'on appelle 닭갈비. 닭갈비 est simplement un poulet épicé avec des légumes. Dakgalbi est une nourriture beaucoup populaire en Corée, précisément dans la région de Chuncheon, qui est originaire de Chuncheon et beaucoup plus mangée dans la région de Chuncheon. 이거는 닭갈인데 우유에 담가뒀어요. 우유가 잡내도 없애주고 부드럽게도 하고 그래서 한 30분 내지 1시간 담그면 될 것 같아요. Comme vous le constatez, le poulet a été trempé dans du lait froid avant de l'utiliser pour en faire notre sauce. Et la raison pour tremper ce poulet dans l'eau, c'est tout simplement pour enlever l'odeur du poulet et aussi rendre le poulet plus doux et moelleux. 닭갈비에 들어갈 이거는 떡이고요. Alors pour réaliser du dakgalbi, nous allons vous présenter les ingrédients à utiliser pour réaliser ce plat. Premièrement, nous avons besoin du tteok qui est cake rice, Korean cake rice. 이거는 양배추고요. Puis après, nous allons utiliser des choux ou salade. 양파, des oignons, 감자, pommes de terre, 대파, des oignons verts, 고춧가루, du piment en poudre. 고추장, de la pâte de piment, 간장, de la sauce de soja, 마늘, de l'ail, 참기름, de l'huile salée, 맛술, de cooking wine, 후추, du poivron noir, 설탕, et du sucre. 이렇게 들어갑니다. Voici en général les ingrédients qu'on aura besoin pour réaliser ce plat. 쏩니다. Nous avons découpé notre poulet en petits morceaux pour faciliter la cuisson. 다음은 양배추를 썰겠습니다. 다음엔 양파. 다음에 감자. Et ensuite la pomme de terre. 다음엔 파. Ensuite nous allons découper les oignons verts. 지금부터는 닭갈비에 양념을 해보겠습니다. Nous allons épicer notre poulet maintenant. 고춧가루, 고구마, 고구마, 간장, 옆에 라스 소자, 맛술, 와인 쿠키, 마늘, 설탕, 참기름, 르미살리, 후추, 과거와 떡도 넣겠습니다. 그러면 기름은 제니가 둘러볼래요? Oui, bien sûr. Alors, nous allons ajouter un peu d'huile pour commencer notre cuisson. 괜찮아요? 그만. 세시지죠? 닭
양념한 거를 볶아 보겠습니다. Nous allons ajouter notre poulet dans la poêle afin de commencer la cuisson. C'est vraiment pas compliqué de réaliser ce plat. Ça a l'air appétissant, vraiment. Oui, c'est bon. Non, pas bon. Aujourd'hui, on a 매운 고춧가루도 있긴 한데 안 매운 걸 넣었어요. Donc, ne vous inquiétez pas. Malgré qu'on a ajouté beaucoup de piment dedans, nous avons utilisé du piment non épicé. Donc, ne vous inquiétez pas du côté épices. 어머니, 제가 하면 돼요? 한번 해봐요. 네. 와, 처음이에요. 달달이 만족도 되게 있어요. Ça sent vraiment bon. C'est la première fois que je vois la réalisation de ce plat, mais ça sent vraiment bon. C'est vraiment différent de la culture ou même de la nourriture que nous avons. Ça a l'air bon. Ah, 한 80% 정도 익으면 야채를 넣겠습니다. 어머니, 떡은 없으면 괜찮아요? 아, 떡은 안 넣어도 돼요. 그리고 야채도 뭐 여기에 없는 것도 넣을 수 있고 버섯 같은 것도 넣을 수 있고 그냥 집에 있는 거 아무거나 넣어도 야채는 괜찮을 것 같아요. comme ne peut pas peut-être s'acheter au Congo, alors ne vous inquiétez pas. Sans le gâteau au riz, il est aussi possible de réaliser ces plats. Et si vous n'avez pas les légumes ou les épices que nous avons utilisés, il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser ce que vous avez à la maison. 남자가 익었으면 다 된 거예요. Comme nous avons ajouté de la pomme de terre dans notre nourriture, nous allons attendre quelques minutes afin que la patate puisse cuire. Et notre pomme de terre a vraiment bien cuit et la cuisson est parfaite et c'est terminé en beauté. Notre cuisson est terminée, alors nous allons goûter et je vous en prie des nouvelles. 맛있어요. C'est très bon, je vous assure. Faut essayer. C'est très bon. 오늘 닭갈비 만들어 봤는데 어떠셨어요? 재료가 있다면 한번 만들어 보세요. Alors, la cuisson du dalgalbi, comment vous l'avez trouvé? N'est-ce pas facile? C'est pas du tout difficile si vous avez des ingrédients ou pas. Essayez de les faire tout seul à la maison. Sans vous, cela ne sera jamais possible. Merci pour votre soutien et d'être présent. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre cuisson du dalgalbi. Nous l'avons tous fait ensemble. J'espère que vous avez aimé. Et si vous avez aimé notre cuisson, veuillez vous abonner et laisser un like à cette vidéo. Et on se retrouve encore prochainement pour de nouvelles recettes avec vous. C'était un plaisir de passer ces bons temps avec vous. À la prochaine. Au revoir. 안녕. Bye bye.